Salut tout le monde, c'est The Phil. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 19e épisode de Star Wars The Old Republic en mode Chevalier Jedi sur la planète Alderaan à la recherche de notre maître. Alors, tout ce qu'on a à faire là, c'est on est dans un hangar de départ sur une planète de ce qui est le plus classique. Et on va parler au comte Ald. Ça fait un peu The Witcher 3, je trouve. Non, Ald. Après, je vous raconte quelque chose. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vais vous raconter quelque chose. Je me suis fait un autre perso en Senior Sith. Histoire, juste pour voir ce que ça fait. Juste pour essayer. Mon ordi chauffe un peu, mais normalement j'ai vérifié au son, ça s'entend pas trop. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Et donc voilà, juste pour essayer. Mon pseudo c'est Dark Sirdgar. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors, un marchand, qu'est-ce que tu vends toi? Amélioration de vaisseau. Ça m'intéresse pas. Alors. Il faut savoir que en Senior Sith, j'ai tué. Bon, là, j'ai joué pas mal de temps en temps. Un peu, je suis niveau 21. J'ai tué plus de Sith que de Jedi. Ah, j'ai même pas tué de Jedi, en fait. J'ai choisi de le laisser en vie. Voilà. Alors, la côte. Palisse. Un verre d'Orient, c'est de la neige. Hein. D'accord. Hop, on va déverrouiller le point de voyage rapide. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a des messages? Non. Guilde 1. Ah non, c'est le nombre de personnes qui sont. D'accord, Phil le Costra, parfait. Alors, oh, on a plein de missions ici. Officier de réquisition. Oh, il y a plein de choses à faire. Alors. Oh la vache. Ah non, c'est bon, il y a un taxi là. Eh bah ben parfait. Est-ce qu'on a des compétences à entraîner? Non, je crois pas. Station de véhicule ouverte. Si, Passez si, je à crois. l'excellent séjour. Je crois bien. Maison Organa. Très grande comme maison, hein. J'ai encore même pas vu ça en plus. Ils sont pas du tout mégalos. Pas du tout. Étoile brillante, tu m'étonnes. Ce bande de riches. J'espère qu'on est arrivé au bon endroit. Eh, hey, regardez. Non. Ah non, non, j'ai confondu. Par contre, je trouve ça très étrange, mais en Senior Sith, j'ai pas réussi à. Oula, ça lag un peu la map. Hein. En Senior Sith, j'ai pas réussi à avoir de speeder. Je sais pas comment. Peut-être j'ai pas trouvé de marchand adéquat. Mais. Enfin, non, c'est la compétence que j'ai pas réussi à entraîner. Voilà. Mais heureusement, nous, on a ce qu'il faut. Alors. Ah, mais non! C'est vrai, la compétence, je pouvais pas l'activer vu que j'en avais pas. Par contre, j'aime bien Alderaan. Très jolie planète. Fille, ça se dit Alderaan, j'en ai rien à foutre. J'ai toujours dit Alderaan. Quelque chose me dit que nous sommes au bon endroit. Bon, soit. Alors. Ça semble un peu beaucoup à Coruscant, hein, si vous voulez ce que je veux dire.
100 minutes, ok. Comte Alde, je travaille avec Maître Augustine. Je voudrais vous parler du projet Marque de la Mort. On ne m'avait pas prévenu de votre visite, mais ça devrait vous intéresser. Alena, répétez aux Jedi ce que vous m'avez dit. Je travaillais sur la Marque de la Mort au centre de recherche. Pendant un test de routine, les impériaux ont forcé nos portes sécurisées. Il y avait un petit homme répugnant avec eux. Un Sith, je crois. Les gens ont tendance à reconnaître les Sith quand ils en voient un. Qu'est-ce qui vous fait douter? C'est juste qu'il avait l'air différent. Il parlait à peine. Il laissait les impériaux se battre à sa place. Jusqu'à l'arrivée du Jedi. Sans que personne ne s'y attende, un Jedi solitaire a décimé les impériaux jusqu'au dernier. Maître Orgus, c'est le roi des négociations. Je suis désolée, mais le Jedi, il n'a pas survécu. Le Sith était dangereux. Il disparaissait puis bondissait hors de l'ombre. Il a surpris votre ami et l'a poignardé dans le dos. C'était horrible. C'est tragique. C'était un grand Jedi. Il m'a enseigné bien des choses. C'était votre... Je savais pas. Quand le Jedi est tombé, le Sith a appelé des renforts. Mais pas des impériaux. Des Kiliks. Des insectes intelligents de taille humaine vivant sous terre. Carnivores. De vraies horreurs. Ah. Envoyer des renforts alors qu'ils ont gagné une bataille. Il n'y a que moi que ça choque. Comment le Sith pouvait-il communiquer avec eux? Oh, c'est une espèce très évoluée. C'est pour ça qu'ils sont si dangereux. Ces choses ont envahi le centre. Ils ont massacré tout le monde. Je me suis enfui. Vous ne pouviez rien faire de plus. Grâce aux étoiles, vous avez survécu pour nous tenir au courant. Maintenant, le Sith détient la marque de la mort. N'importe qui peut être sa cible. Comme par hasard, ce sera nous. Avez-vous une preuve que cette arme a déjà tué quelqu'un? Avec la guerre qui fait rage, comment pourrait-on le savoir? Win Organa dirige des pourparlers de paix avec les autres maisons. Vous avez vu ce que je vois? Ah, vous l'avez vu aussi. Vous avez vu la marque rouge aussi. On l'a tous vu. C'était la marque de la mort. C'est elle qui a tué le comte Alde. Ça s'est passé si vite. J'ai pas senti le danger. Il faut qu'on s'en aille d'ici. On n'est pas en sécurité. On va tous mourir. Le comte... Hé, hey, vous! Mains en l'air! Soldats, prenez leurs armes. Bloquez les issues. Ce n'est pas nous qui l'avons tué. Nous venons vous aider. Plaquez-vous contre le mur. Je veux voir vos mains. C'est mon dernier avertissement. Vous êtes malade? C'est un chevalier Jedi. On n'a rien à voir avec ça. Nous allons vérifier vos identités et vos alibis. Si vous dites vrai, on vous laissera partir. Les communications à longue distance sont HS. Ça risque de nous prendre des semaines de régler cette histoire. Mais on prendra soin de vous. Ah, alors voyons voir. Ça, je me souviens, j'avais le même type de choix que chez les Twi'leks. Là, c'était que soit on les attaque, soit on les convainc par la force et ils nous font rien, soit on essaie de négocier, mais la dernière fois ça n'avait pas marché. Donc, je crois pas vraiment dans ce truc. Donc, j'ai pas envie de tuer plus de gens, donc on va faire ça de toute façon, ça sauvera des vies. Des vies sont en danger. Vous ferez tout pour m'aider à sauver Alderaan. Des vies sont en danger. Je ferai tout pour vous aider à sauver Alderaan. Soldats, bloquez les issues. Je vais contacter la sécurité des Organa et les avertir de la situation. Il faut que vous trouviez la marque de la mort avant que le Sith ne frappe à nouveau. Voilà les coordonnées du centre de recherche, ou ce qu'il en reste. J'espère que vous trouverez quelque chose d'utile. Bonne route, Maître Jedi. Parfait. Alors, qu'est-ce que Bouclier, c'est quoi, c'est l'amélioration de vaisseau, ça? Ah, ça y est, niveau 25, parfait. Y a-t-il un entraîneur quelque part ici, sur Alderaan? Apparemment, non. Ah non, c'est un entraîneur. Non, je ne vois rien du tout. Donc du coup, là, il faut aller où? Juste là. Ok.
Très bien. C'est pas long, donc on n'a pas besoin d'utiliser le voyage rapide, puisqu'on est chez nous. C'est beau. Alors, oh, un marchand. Marchand, que me vends-tu? Regardez notre inventaire. Que puis-je faire pour vous? Ah bah j'avais déjà tout vendu la Merci pour dernière la fois. confiance. J'avais déjà tout vendu. Où est-ce que je vais là? Non, c'est bien la bonne direction. Ah, petit tour de combat. Ah oui, j'ai un point à dépenser. Alors. Un point d'usage disponible. Alors. Je peux pas choisir parmi ça là-dedans. Non, c'est bien. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Second souffle, réduit 30 secondes de délai minimum. J'avais choisi quoi? Persistance. C'est que des trucs passifs, on dit rien. Immobilisera la cible pour la durée du pouvoir. Ah. Accession de concentration pure, je les ai fait. Quatre points de rage. Pof. On va prendre ça. Appliquer. Voilà. Parfait. Alors, donc, nous disions Speeder. Là, on est en JCE, donc on n'est pas en JCJ. C'était de l'autre côté. Tant pis. Allez, hop, demi-tour. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Et voilà. Alors, profitons-en pour observer le paysage. Oh, un Iowa. C'est des trucs qu'on voit dans Star Wars 2. Alors, ça c'est une quête secondaire. Et voilà. C'est mon tête de siège. Ah, c'est loin. Il n'y a pas moyen de se rapprocher un petit peu plus. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Non, c'est assez proche en fait. Allez hop, en avant. Major, les batteries d'artillerie l'ont porté. Tout le monde est Ah, mort. c'est quoi Les ça? sont vides, chef. Ah, c'est navette pour faire de la République, ok.
Je vais complètement dans l'autre sens. Peut aller sur l'eau aussi. Eh mais c'est le même truc qu'on avait sur Titan. Enfin presque. C'est ça les Kilik. Ouais, il me rappelait quelque chose. Alors, les Kilik, pour ceux qui ne savent pas, ont été en guerre durant la guerre des clones avec la planète Kalesh. Ou Kalesh, je sais pas comment elle s'appelle. Dont est originaire Général Grievous. Et Général Grievous, avant de travailler pour les séparatistes, avait mené une campagne contre les Kilik. Voilà. Et depuis, il est considéré comme un héros sur sa planète natale. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Par contre, c'est moi où il a réussi à me repousser. Comment il fait? Alors, dans Zelem, c'est censé l'immobiliser les gens. Fait quoi sa concentration pour moi? Alors, nouvelle entrée au combat, Kilik. Alors déjà d'abord on va aider mon apprenti en PLS. Qu'est-ce que ça fait? Sa puissance de force augmente. Les dégâts de bonus sont mêlés. Ah oui, mais ça faut que j'utilise. Ils sont résistants. Vous survivrez. Mais ils nous repoussent vraiment. Alors, ouais, c'est bien là-dedans qu'il faut entrer. Personnellement, j'y crois pas trop. Mais qui ne tente rien à rien. Putain, mais il m'a verrouillé, c'est normal, tu m'étonnes. Oula. Merde, 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 comment on fait déjà pour régénérer? Tout va bien. C'est qui ce mec? Pourquoi il est tellement. Oui, je sais, je gaspille mes sondes. Mais là, je comprends pas ce qui vient de se passer, en fait. Voilà, vous êtes sur pied. Ah bah vite! Waouh, mais ils sont hyper puissants, aide-moi Kira. Putain, il est fou. Il n'y a pas moyen de. Ne jamais sous-estimer un ennemi. Jamais.
Pfiou. Oh non. C'est toi qui me verrouille depuis tout à l'heure? Concentration. Oh non, attends, c'est quoi? C'est puissance de force, ouais, ok. Faut utiliser. Alors, putain, ils ont même pondu leurs œufs et tout. Saloperie. Est-ce que je veux voir par là-bas, mais j'arrive pas à voir l'entrée. Prutilic. Eh, c'est toi qui m'as tué tout à l'heure. Enfin, c'est un de ton espèce. Merde, 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 merde. Sur pied. Je sais plus ce que c'est le pouvoir pour purger les effets, c'est ça je crois. Ouais voilà, c'est détermination. Ils ont même leurs larves. Peut-être que je fasse réparer mon équipement aussi. Non, elles ont l'air bien. Alors, occuper le laboratoire militaire Mensav. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est rouge? Enfin, pourquoi elle est rouge? Pourquoi les hurler, ça suffit? Attends, il y en a un autre. T'as déjà 23 minutes. On perd du temps là. Allez hop, on va se diriger vers là-bas. Je vais voir après si on peut pas utiliser notre speeder parce que... Je ne vois plus rien. Phew. Alors. Mais t'es sérieux? Ils nous font perdre notre temps. Tout va bien.
Astas de force. Ça l'immobilise. C'est un peu comme l'étranglement de force. Ce pouvoir a l'air de bien marcher. Alors... Oh, trop loin, t'es sérieux. Sur pied. Oh, cuisine thioniste authentique. Petit gain d'influence avec Kira. Bah, attends, tiens, Kira. Cadeau. Merci. Allez, hop, on a encore du chemin. Toi que je veux battre. Ça, c'est fait. Ça, bientôt aussi. Allez, hop. Coup de pied. Bam, c'est bien. Ah, ça va marcher. Merde. Ah, faut que je laisse appuyer un peu longtemps, en fait. Allez. Ah, ils ont même des ruches et tout. J'avais une étincelle d'espoir qu'ils allaient pas nous voir, mais non. Bon, allez, on fait ce qu'on a à faire. Dépêchez-vous de mourir. Thank you.
Et garde l'entrée, on va devoir se les faire. Allez hop. Ah merde, j'ai gâché ma stase de force. J'ai du mal à bouger. Attends, Kira, j'arrive. Oh merde, 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 merde. Moi aussi, on dirait que je suis en PLS là, attends. On va en finir avec lui. Attends, 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 attends. Attends, bientôt, 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 bientôt. Voilà. Non, Kira, merde. Comment ils ont fait? Point de départ de l'oiseau. Non, j'ai pas envie de tout refaire. Mais comment ils ont fait pour nous? Mais c'est pas possible. Putain, mes ennemis deviennent de plus en plus durs. Je veux dire, il est pas assez puissant comme partenaire ou comment ça se passe? Non, mais je sais. Oui, je sais qu'il me reste 3 secondes, mais. Je vois vraiment pas quoi faire. Il faut verrouiller une cible, mais. Je sais que Kira va attaquer la cible. Hop. Non, Kira, non, 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 non. Non, Kira. Non, n'attaque pas n'importe qui. Tout va bien pour l'instant, hein. Et hop, maintenant à lui. On peut se le faire, allez. C'est une question de stratégie en fait. Il faut attaquer le même ennemi. Je suis mort plusieurs fois à cause de ça. Ouais, c'est ça. Enfin, qui donne diagnostic pour droïde. Alors. Tiens, cadeau. Merci. Wow, comme c'est classe. Eh mais c'est Maître Orgus. Il est vivant. Tu en as mis du temps. Maître Orgus. On m'a dit que vous étiez mort. La force soit louée, vous êtes en vie. La force et mon sabre laser soient loués. Ils m'ont été bien utiles. Vous avez mauvaise mine, maître. Vous êtes sûr que ça va? J'ai connu pire, Kira. Ça va aller. Cette saleté de site a failli m'avoir. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver le professeur Parvux. L'ennemi nous a abandonnés en pâture aux Kilik. Ça a dû te demander beaucoup d'efforts d'éliminer le chef des Kilik. Il était gigantesque. Ah, parce que c'est pas le chef pendant qu'on m'occupe. Oh merde. Maître, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Le Kilik géant qui commandait les autres. Tu l'as pas vu?
On va le combattre et on va s'arrêter là. Si quelque chose nous dévore, tu auras de mes nouvelles. Alors. Oh, non! Ils sont pleins! Oh, heureusement qu'on est plusieurs. Souvent stratégique. On va commencer par lui. Non! On n'attaque pas le bon ennemi. Je suis en plein de la mêlée en fait. Non! Maître August! Reviens! J'utilise la stase de force. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Ah, pas un, lui en premier. Faut tuer celui qui a le moins de vie en premier. J'ai eu chaud, un instant j'ai cru qu'on allait encore mourir. Oh oh! Prêteur qui lit, putain! Oh la vache! Et provocation, c'est une attaque à faire seulement quand les ennemis sont pas nombreux. Sinon, c'est du suicide. Niveau 26. Oui. Tout va bien, professeur. Vous en faites pas pour moi. La marque de la mort est aux mains de l'ennemi. Prévenez le comte Hald. Le comte vient de se faire tuer par la marque de la mort. Ils ont emmené le système de ciblage au palais des Organa. As-tu rencontré une femme du nom d'Alena Ark? Elle a survécu à l'attaque du centre avec le comte Hald. On est les seuls survivants. Cette fille est une meurtrière. Quoi? Alena est une espionne. Elle a aidé les Sith à voler la marque de la mort, et elle prend les nôtres pour cible. Merde! Elle peut être déjà marqué des dizaines d'entre nous. Le laser de cette arme peut frapper n'importe où, n'importe quand. Pas si on le prive d'alimentation. Le laser est toujours relié au collecteur local, non? Le laser est alimenté par plusieurs centrales énergétiques. En les désactivant, vous neutralisez le laser, au moins temporairement. Mettez le professeur en sécurité. Je vais désactiver les centrales énergétiques. J'ai les coordonnées des stations. Désactive-les toutes dans l'ordre indiqué. N'en oublie pas une seule. On va se diriger vers le camp allié de la République le plus proche. Retrouve-nous là-bas. Que la force soit avec toi. Parfait. Bon, alors, écoutez, on va se laisser là. On va voir ce que lui, il a sur lui. Contrebande militaire, à quoi ça sert? Allez, tiens, cadeau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à... écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. On se retrouvera la prochaine fois pour le prochain épisode de Star Wars The Old Republic. Salut tout le monde.